Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame ? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable ? Oui. Tu vis avec quelqu'un ? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce ? Il est arrivé ? Ouais. Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère, elle a le droit de vivre avec qui elle veut. Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler ? Ma mère t'a rien dit ? Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Ahmed ? Elle a l'air d'être au courant de tout. Je veux pas qu'ils soient ensemble. Je pense que ça dépend de toi et moi. On doit rentrer à la maison pour l'instant. Tu m'as dit que notre maison, c'était là-bas. Pour toujours. Toi, tu dois rester ici avec maman. Pourquoi tu me fais ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Et qu'est-ce que je t'ai fait ? Ça serait pas cette petite détruire sa mère. C'est un malentendu. Mais c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois ? Faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir.